Maintenant, je vais vous parler de ma configuration pour Royal Blood. Alors, le truc, c'est d'utiliser deux amplis, un ampli basse et un ampli guitare, et de pouvoir désactiver l'ampli basse avec un switch. Pour faire ça, j'utilise un câble qui me permet de diviser mon signal en deux, que je vais brancher dans la boucle 1 du Mohon à la place de la Fuzz Factory et à mon ampli basse pour activer l'ampli basse quand j'activerai la boucle 1. Pour les effets, j'utilise uniquement la Big Muff et la Black Star avec les mêmes réglages que pour la guitare. La Tender Octaver avec ce réglage, la Whammy avec son contrôleur MIDI et le Mohon pour tout contrôler. Tous les effets sont reliés à l'ampli guitare et il n'y a aucun effet sur l'ampli basse. Pour les réglages des amplis, j'utilise toujours le même réglage pour l'ampli guitare. Et pour l'ampli basse, il faut très peu de treble et émettre beaucoup de basse. Donc mon son uniquement dans l'ampli basse. Mon son uniquement dans l'ampli guitare sans effet. Je rajoute la Big Muff. Avec la Tender Octaver. Et avec l'ampli basse. J'utilise 5 presets différents sur le Mohon. Le premier, j'ai la Big Muff, la Tender Octaver et l'ampli basse, et sans la Whammy. Le deuxième preset, j'ai Big Muff, Tender Octaver, ampli basse et Whammy. Troisième preset, toujours Big Muff, Tender Octaver, Whammy, et cette fois sans l'ampli basse. Quatrième preset, Black Star, Tender Octaver, Whammy, et pas d'ampli basse. Et cinquième preset, Black Star, Tender Octaver, Whammy, et avec l'ampli basse. Donc maintenant une petite démo. Juste un peu de dry pour Tenton Skeleton. Thank you.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour voir mes covers et j'en ferai bientôt de nouvelles.